docteur, vous êtes sûr que les mini-opérations vont nous rapprocher? Ah oui, vous allez être inséparables. Génial. Mais par contre, il faudrait que ça soit subtil. Hein? Je veux pas avoir l'air d'y courir après. Oh, vous aurez plus besoin d'y courir après, c'est certain. Oh, c'est terminé. Non. Non, non, ça marche pas, ça. J'ai l'air d'un pot de colle. Non, tout, reste calme. Attendez un peu. Avec ça, vous allez avoir l'air d'un pot de colle anonyme. Dali, c'est toi mon petit pot de colle. Je pense qu'on a un problème. T'es assis à ma place. Ah, tu t'en allais? Bye. Tu sais pas la chance que t'as, toi, hein? Si j'étais directeur ici, tu serais expulsé pour la journée. Parce que moi, l'intimidation, c'est tolérance zéro. C'était pas d'intimidation, là, on y est. Je l'ai dit au conseil aussi. Engagez pas Marie-Sylvaine, elle est trop molle. Hein, ils m'ont pas écouté. Résultat, on se retrouve avec une directrice qui ferme les yeux sur tout. Je savais qu'après mon départ, ce serait le chaos ici. Ah, c'est vrai que vous, pour diriger le centre, vous étiez un pro. Ah, un pro. Bon, vous avez un pro. Mais j'avoue que côté excellence, je donne pas ma place. Justement, celui que je cherchais. Tenez, le nouvel horaire du terrain de pratique. Puis, félicitations. J'ai eu des échos des petits miracles que vous faites avec les crampons. Merci beaucoup. J'aimerais bien te féliciter aussi, mais malheureusement, je suis pas menteur. C'est le chaos ici. Pas plus tard que ce matin, là, j'ai vu de l'intimidation, un vol de collation, puis du niaisage chez les jeunes. Non, j'ai pas pointé personne. Oh, c'est nouveau. Vous avez pourtant la réputation d'être le premier à bavasser quand il faut trouver un coupable. Qui dit ça? Vous le saurez pas. Le stoulage fait pas partie de mes méthodes. Bon, heureusement pour toi, la bonne nouvelle, c'est qu'il est pas trop tard. Tu peux encore reprendre le contrôle. Mais pour ça, ça va te prendre les règlements. Des conséquences. D'autres règlements plus sévères. Puis pas trop de sourire. Je suis pas d'accord. Je crois que c'est beaucoup plus efficace de communiquer avec nos jeunes au lieu de les punir sans réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses, Carl? Ben c'est ça tes nouvelles. Là, tout a changé le monde. Mais tu sais bien une chose, Marie-Sylvane. Les jeunes, là, ce dont ils ont besoin, c'est d'un encadrement ferme. Dans mon temps... Dans votre temps, vous gériez le centre de votre façon. Vous allez voir. Mes méthodes vont vous surprendre. Vous allez voir. Mes méthodes vont vous surprendre. Méfiez-vous de ces méthodes anti-punition. Ouais, je la trouve pas bien épeurante, Marie-Sylvain. Pas d'autorité. Tu trouves ça, toi aussi? Non, je t'ai testé pour voir. T'as testé... T'sais, faire quelques petits coups, là. Rien de grave, juste pour la faire capoter un peu. Pour notre premier coup, là, on pourrait... Pour ton premier coup, tu pourrais. Non, si vous embarquez pas, moi, ça me tente pas. Si je me fais pogner, je suis dans le trouble. Non, inquiète pas, je vais te sortir du trouble. Salut! Allô? Je vais prendre un bain de soleil. Viens-tu? Il me semble qu'il m'en aurait besoin, là. Un bain de soleil. Léa, c'est plus un bain tout court que tu vas prendre aujourd'hui. Oh, mais non, c'est juste des petits nuages, là. Le soleil, il s'en vient. Des petits orages, tu veux dire? Oui, mais faut absolument que je bronze. Le Diego revient demain. Ah, t'es déjà assez bronzé de même. Mais c'est quoi le rapport avec Diego? C'est parce que ça fait 2 semaines qu'il est entouré de super belles Argentines avec un beau teint, avec un bel petit accent. Je suis sûre qu'il a tellement hâte de retrouver sa belle blonde ordinaire. Béa, regarde-moi. Diego, là, il est en amour avec toi par-dessus la tête. Qu'arrête de capoter pour rien. Je sais ce qui va te déstresser. Expression. En plus, c'est la nouvelle version. Alors, catégorie test de ta tête. Qui est Susanna Calandrelli? Ça sonne comme un plat de pâtes. Alors, un indice, Argentine. Oh, ça doit être une super belle, super cool actrice d'Argentine que tous les gars doivent triper dessus. OK. Alors, la réponse, c'est que c'est une célèbre écrivaine argentine. Ça devrait pas tellement être jalouse, elle est morte en 1978. Je pense pas tellement que c'est arrivable. Mais si tu veux, on n'est pas obligé de faire les questions de connaissance. Oh, mais regarde, de façon expression à deux, là, c'est plate. On peut trouver d'autres personnes pour jouer avec nous. Mais je m'excuse, mais j'ai vraiment pas la tête à jouer. Correct, d'abord, je vais jouer tout ça. J'ai croisé Sam puis il s'en allait au centre. Fait que tu pourrais demander? Es-tu malade? C'est clair que si je vais le voir toute seule, il va me revirer de bord. OK, ben t'as juste à lui dire d'une façon super détachée. Ouais, tu sais, Sam, ben tu sais, là, je m'en fous, là, je fais juste te demander si t'as rien à faire, là. Ben tu sais, tu peux venir avec moi, là, mais tu sais, je m'en fous, là, tu peux jouer.
Arc. Hey, t'oublies pas quelque chose, toi? Oui, maman, j'ai ma crème solaire 45. Non, maman a pensé plus à ça. Non. Je suis sûre que c'est facile de faire quoi, mère, Sylvaine? Je sais qu'à 11 heures, elle sort tout le temps pour aller mettre de l'eau dans son thé. Fait que là, on pourrait faire quelque chose. Ah, oh, man, t'es génial. OK, regarde. On bouche les tuyaux, l'évier va déborder, puis il va y avoir de l'eau partout. Man, imagine le bordel. Ouais, mais le génie, quand le centre va être inondé, là, on va aller où, nous? Ah, OK, excuse-moi. Non, ça, j'avais comme... J'ai comme oublié que t'étais pisseuse. Tout ce que je t'ai dit, là, ça serait fun que notre coup qu'on fasse, ça soit pas chien pour nous autres. Non, non, c'est sûr, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Hein? Non, rien. Hey, j'ai reçu la nouvelle version d'Expression. Est-ce que ça vous tente de jouer? Oh oui! Oui, mais ça me tente de jouer! OK, attends, regarde. Dans la catégorie mime plate, imitez un croisement entre Lady Gaga et un pingouin enragé. OK. Attends. OK, c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui joue à Expression. Non. C'est quelqu'un qui joue à Arc, presque. Tu sais, les gars, on peut faire d'autres choses, si vous voulez. Ah, oui, tu peux faire de l'art. Non, quand même pas, là. Bon. Mais si tu veux jouer, tu peux appeler chez moi. Hein? Puis toi, si ça te tente, tu peux laisser faire. Bon. Ah, OK, regarde, j'allais. Je sais ce qu'on va faire à Marie-Sylvaine. Ah, OK, à moins que tu veuilles aller chez Dali. Ah, non. Okay. Bon, ben, laisse-la faire d'abord, parce que tu veux pas sortir avec elle, là. On est bien, le gars. Puis déjà que t'es pissou, tu vas pas en plus ramasser les restes de choses, non, là. OK. Direct. De un, je ramasse rien. De deux, Dali, c'est pas. Pas un restant, là. Ah, non. Hey, non, bien mieux que toutes tes ex à toi. Marc-Sylvain, faut que je te parle de quelque chose. Oui, je t'écoute. J'ai commencé à boire. J'ai du thé, là. Puis, je connais pas vraiment ça. Je me demandais si t'avais pas de choses à me proposer. Ah, ben, ça dépend. Est-ce que t'as une préférence de couleur? T'es blanc, t'es vert ou long, maté? Couleur, c'est dur à dire, là. Brun pâle, couleur eau, là. Comme t'es jeune, j'irai avec un thé faible en théine. Ben, c'est ton jour de chance. Oui. J'en ai plein dans mon bureau, je pourrais te faire goûter. Non, mais non. Sinon, tu peux pas. Hein? À cause de la malédiction. Oui, tu peux pas offrir du thé à quelqu'un avant que le soleil ait atteint sa hauteur maximale. C'est plate, ça porte malheur. Hein? C'est une vieille légende chinoise. Oh, c'est étrange. Oui, non, j'ai ça sur Internet. Ben, celui-là est un peu plus fort, mais c'est ma propre création. Oh! Des noirs avec soupçons de jasmin, pétales de rose, ah. Des notes boisées un peu bon, nerveuses. Oui. Très bon. T'es heureux? Mais tu dois juste le sentir. Hein? Mais non. Non, je cherche sur Internet. Je savais pas que ça intéressait autant les jeunes. Je pourrais peut-être faire un midi dégustation thé ou ça? T'as pas un gros bout. Oh, surtout si tu m'aides. Je sais pas. Oh ben, Carl! J'avais oublié. Carl, ma soeur, le plus en dessous, j'avais oublié. Ah. Vraiment, je m'en aide. Bois du thé vert, c'est bon pour la mémoire. Oui. Tu fais ça quoi, man? Hein? J'ai plus quoi dire, mais... J'ai dû profiter pour rendre notre coup un peu plus intéressant. De quoi plus intéressant? Le plan, là, c'était que tu rentres dans le bureau, tu coupes la sonnerie puis tu t'en vas. Ça, c'est un bon coup là, pour les dynamiques de la garderie. Ça, franchement, là, on peut faire mieux que ça. Fait que, avant de débrancher la sonnerie, j'ai appelé le 911. Le 911? Toi, t'es malade? Tu leur as dit, là? De rien, justement, c'est ça qui est drôle. Fait qu'ils vont rappeler, personne ne va répondre. Fait que, et la police, l'ambulance, les pompiers qui vont débarquer ici. T'es cave! Mon drôle, toi, c'est sûr qu'on se fera pogner? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Moi, je m'en vais. OK, j'ai rien à voir là-dedans, c'est clair? T'avais raison. Si tu veux encore, on peut jouer Expression? Mais oublie ça. De toute façon, tout le monde trouve ça plate. Ah, tu veux dire que Samuel trouve ça plate? Toi? Lui, quand il est avec Carl, il est tellement débile. Non, je veux dire que, bon, Carl est débile, mais Samuel fait juste le suivre comme un petit chien de poche. J'exagère pas. Au moins, quand Diego va revenir, il va recommencer à se tenir avec lui. Ça dépend. Des fois, les voyages, ça change vraiment le monde. On sait pas. Peut-être que Diego va vouloir se tenir avec une nouvelle gang. Ou avec une autre blonde. T'es
tes parents se sont quand même séparés là, quand ton père est venu du Nicaragua. Oh non, s'il te plaît, Béa, commence pas ça, s'il te plaît. Okay, j'ai vraiment pas le goût de te consoler toute la journée. Ouais, viens t'en. On s'en va où? Au centre communautaire. On laisse trouver des dynamis pour aller jouer. Mm-hmm. Interdiction de penser à Diego. OK, mais moi, j'ai une condition pour toi. On va pas demander à Samuel s'il veut venir jouer avec nous. Hmm? Comme ça, on va lui montrer qu'on peut avoir du fun sans lui. C'est bon. Allez, viens. Come on, Sam. Non, j'ai pas appelé 911, je suis pas cave. OK, mais grouille-toi. Carl? Tu sais que tu dois pas être seul dans mon bureau. Ouais, je sais. Mais j'avais un appel à faire. Puis je voulais pas dépenser des minutes sur mon cell. C'est nous, les jeunes, on a pas beaucoup d'argent. Tu vas pas me punir parce que je suis pauvre? Non, les punitions, tout le monde a ça en bouche aujourd'hui. Il y a des milliers de trucs beaucoup plus efficaces. Comme la communication. Mm-hmm. Mon petit doigt me dit que si t'essayes pas d'attirer mon attention, c'est parce que tu as quelque chose à me dire. Tu sais que tu peux me faire confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas ici, chez toi? Chez moi, ouais. Ah, c'est ça, c'est... pas toujours facile à vivre. Mon père est jamais là, je suis toujours pogné à m'occuper de mon petit frère, Mathis. Il y a des soirs, là, j'ai vraiment pas envie de rentrer chez moi. Écoute-moi bien. Dans ces moments-là, considère le centre comme ta deuxième demeure. Ah, tu veux que je considère le centre comme ma maison? Absolument. Il y a toujours une place pour toi ici. Merci, Ben. Dali et moi, on recrute du monde pour jouer à Expression. Ça te tente? Oh, certainement! Carl, tu devrais te joindre à nous. Non, c'est trop loseux, là. D'ailleurs, il y a ton chum qui arrive. C'est tellement loseux, lui, il va triper. Comment j'ai fait pour sortir avec ça, moi? Diego est tellement mieux. Oh, tu dois avoir hâte qu'il revienne. Ah oui, j'espère que lui aussi a hâte. Des fois, là, j'imagine son retour, puis c'est comme dans les films. Il court vers moi au ralenti. Mm. Puis des fois, il fait juste passer à côté de moi puis me dire « Salut ». Oh, pauvre Béa, tu dois pas douter comme ça. C'est la même chose qui est arrivée quand je pensais qu'il trouvait son autre fille. Mais dans le fond, c'était sa cousine. Moi, je savais pas quand j'ai écrit l'histoire. Tu écris? Pour me calmer, j'ai envoyé un email à Diego pour dire ma façon de penser. Mais j'ai continué à écrire un peu n'importe quoi, puis ça donne une histoire. Oh, l'histoire de Diego et toi! Oui. Non, pas vraiment. Ça s'est pas vraiment passé comme ça dans la vraie vie. Puis en plus, j'ai changé les noms. Mais attends, je vais te montrer. C'est l'histoire de Clara qui chicane avec son chum Maxime. Ça fait 16 pages. 16 pages, ça, c'est une grosse chicane. Mais c'était pas supposé être aussi long, mais j'avais plein d'idées, puis plus j'écrivais, plus je me défoulais. Ah! T'as jamais pensé écrire un roman? Ben là, je suis pas vraiment une écrivaine, avec la plume puis la page blanche, là, Susanna Candelotti. Susanna Calandrelli? Pourquoi pas? Tu penses que je pourrais? Seul l'avenir nous le dira. Mais si t'aimes écrire, arrête pas, surtout si ça te fait du bien. J'ai quelque chose pour toi. T'es pas pour écrire tout un roman dans ton cellulaire? Tu me le donnes? Oui. Puis tu peux même t'installer ici, hein, si tu veux écrire tranquille. Ah, ben là, je peux écrire le bout de l'histoire quand Maxime revient de voyage puis il retrouve enfin Clara. Oh, oui. Décidé de rester au centre, finalement? Ouais. Je me suis trouvé d'autres partenaires de jeu, finalement. Ben oui, hein, je vois ça. Toi, hein, t'es pas avec ton BFF, hein, ton best friend forever? Ben, je suis pas tout le temps avec Carl pour ton information. Ah non. Pourtant, je suis sûre que t'es venu ici pour le voir. Non, je suis venu ici pour la bibliothèque. Mm. Est-ce que t'as fini ton interrogatoire? Oui. Tu peux rester si tu veux, ça te dérange pas. Si c'est une tactique pour que je reste pour jouer avec toi, là. Incroyable! En plus de pas voir les règlements, Marie-Sylvaine laisse les petits couples flirter. Hein? Depuis quand ça est une club de rencontre? Il y a pas de petits couples ici. Non, deux amis ont pas le droit de se parler. Hein? Ben, deux connaissances. Est-ce que t'as vu Carl? Ouais, je suis pas sa mère, moi, Carl. Hey! On reste poli, jeune homme. Bon. Sam, tu sais que ta bibli, là, elle parle. Bon, je sais.
Marc-Sylvain, j'aimerais ça te faire lire mon histoire. C'est pas terminé, c'est juste un début. Avec plaisir. Oh, c'est un honneur. Oh non, non, lis-la pas devant moi, là. C'est tellement gênant. Je te dirai ce que j'en pense. Pendant ce temps-là, je vais aller rejoindre Dolly. Tu viens toujours jouer à Expression avec nous? Je fais mes photocopies puis je viens vous rejoindre. Cool. Ah, t'es là, toi. Ouais. Sylvain, je pense qu'il y a un problème avec ton téléphone parce que j'ai essayé d'appeler tantôt puis ça marchait pas. Oh, pourtant, Carl s'en est servi tantôt. Oh non, ça fonctionne numéro 1. Ah ouais? OK. C'est peut-être juste la sonnerie. Mais oui, regarde. Elle était sur muet. Ben oui, la sonnerie était coupée. Oui. Comment t'as deviné ça? Ben, c'est un hasard, là, c'est... Drôle de hasard, quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais me dire au téléphone? Non, c'était rien d'important, là. J'ai oublié. Eh ben, décidément. Ouais. C'est le thé vert ou c'est le thé jaune qui est bon pour la mémoire? Hein? On sait jamais. Ouais. T'as pas encore réussi à la faire craquer. Ah non, je sais pas, là, elle veut être sûre qu'on communique. Ouais. Ah, c'est parce que tu t'y prends comme un amateur. Ah, okay. Laisse-moi parler, regarde et apprends. Marie-Sylvain, là, c'est bien beau là, vouloir être l'ami des jeunes, mais de là à organiser des pyjama parties dans le centre, il y a des limites. Là, moi, je suis à ça de porter plainte à tes supérieurs. C'est de l'irresponsabilité, de la négligence. Mais juste... bon. C'est à toi qu'elle a permis de passer la nuit au centre? Je n'ai jamais permis ça. C'est pas un motel ici! Laissez Carl s'expliquer. Tu te rappelles, Marie-Sylvaine, là, tu m'avais dit qu'il fallait que je considère le centre comme ma maison? C'est une façon de parler. Là, je veux que tu te sentes bien ici, mais sur les heures d'activité. Vous voyez, c'est seulement un malentendu. Ah, c'est ça. Des malentendus, des accidents, des erreurs irréparables, dangereux. C'est ça qui arrive quand il n'y a pas de règlement. Très bien. Vous voulez un règlement? En voici un. Maintenant, je fais les règlements. Et comme les règlements vous tiennent tellement à cœur, j'imagine que vous allez respecter celui-là. N'est-ce pas? Oui. Parfait. Oh, et Carl, quand tu téléphones dans mon bureau, fais juste raccrocher le téléphone à la fin, pas obligé de fermer la sonnerie. Sur ce, excusez-moi, messieurs, j'ai un centre à diriger. Non, mais faites-moi confiance! Quand ils vont voir à quel point on a du plaisir, ils vont tous vouloir se joindre à nous. Oh! Hé, Marc-Sylvain. Hey, je suis encore désolée. Pour tout à l'heure, j'étais sûre que tu m'avais invité à dormir au centre. Quoi? Jamais je permettrai ça. Mais sois rassurée, tout est pardonné. Pas de punition? Non. Je préfère te traiter en ado, même si depuis ce matin, tu te conduis comme un bébé. Ah ouais. Ben, Marie-Sylvain, tu sais, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Je pense que c'est à toi. Car ça te regarde pas, ça! Ça fait déjà 27 interminables minutes que l'avion de Maxime s'est posé. Clara l'attend. Elle aimerait que sa vie soit un film parce que dans les films, les amoureux n'attendent jamais longtemps de même à l'aéroport. Pourquoi son chum n'apparaît-il pas? Il est peut-être malade parce que la bouffe dans les avions est vraiment un burk. C'est justement pour ça que Clara lui a apporté des biscuits. Ils sont vraiment trop bons. Ça fait 7 qu'elle mange. Ah non, Clara panique. Il recrache aussi tout la bouchée qu'elle a dans la bouche. C'est clair qu'elle a full grain de biscuits poignés dans les broches. Maxime va penser qu'elle s'est pas brossé les dents depuis 2 semaines quand ils vont enfin s'embrasser. Dégueu! Clara se précipite aux toilettes. Un peu plus loin, au même moment, Maxime se demande bien quelle mouche a piqué sa blonde. Pourquoi elle se sauve de lui? Du plus fort qu'il peut, il crie « Clara! Attends! » Tout se fiche dans l'aéroport. Les voyageurs, les douaniers, même le cœur de Clara. Elle se retourne. Merci, Carl. T'es content? Mais... qu'est-ce qui arrive, là? On veut savoir. Et son chum la trouve tellement épaisse qu'il saute dans le premier avion. T'es bien con. T'es juste jaloux, là, c'est super bon. T'aimes ça? Mais hein.
Attendez-moi deux petites minutes, j'ai quelque chose à régler. Attends, Samuel. Samuel. Écoute, je te laisse une autre chance, OK? On fait un autre coup? Si on se fait pogner, il y a Valière qui va nous back. De quoi, Valière? C'est parce qu'il dit que si on écœure Marie-Sylvaine, on va se rendre compte que finalement, elle est plus sévère qu'on pense. Fait que si elle nous punit, il va s'en mêler. Sais-tu quoi? C'est complètement stupide, ton affaire. Pourquoi nous deux, on voudrait que Marie-Sylvaine devienne plus sévère, hein? Valière, là? C'est la personne la moins fiable du monde. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ben lui, il m'a pas dénoncé à Marie-Sylvaine. C'est toi qui lui as dit pour le téléphone? Non. C'est clair que c'est toi qui allais brailler dans son bureau, il y a juste toi qui peux faire ça. C'est quoi ton problème, toi? Mon problème, c'est que tu dénonces tes amis, c'est ça mon problème. Hé, ça va pas. C'est juste Valière. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Juste Valière? Tu sais, on a conclu une entente tous les deux. Ben, petit marché ou non, le juste Valière, il fait dire que la violence, c'est interdit. Ça restera pas comme ça. Je l'avais dit, Gitback. Mêle-toi tes affaires. Là, c'est assez. J'en ai assez entendu. Vous. Je vous ai laissé jouer au plus fort toute la journée. Mais là, on a la preuve que vos méthodes fonctionnent pas. Vous êtes incapable de les contrôler. Ben, mes méthodes sont peut-être pas au point, mais les tiennes non plus. Quand c'est rendu que deux amis se battent. Merci, Monsieur Valière, mais à partir de là, je m'en occupe. À moins que vous ayez quelque chose à me dire sur votre petit marché. Autant que je te laisse gagner pour cette fois-ci. À nous trois, maintenant. Bon, OK, c'est quoi, là? On va communiquer, c'est ça? Oh oui, on va se parler. Mais avant, tu voulais une punition? Ben, tu vas en avoir une. Toi aussi. Quoi? Wouhou! OK, c'est ton tour de l'équipe. Salut, Samuel! Yes. Samuel, il faut que tu... Oh, pas facile. Non, facile. Tu mines ça à ta partenaire. Watch out. OK, indice. C'est une odeur que je déteste, mais vraiment beaucoup, là. OK? Je sais. L'odeur du fromage fondu sur les nachos au cinéma. Wouhou! Un point pour vous! Attention, hein? Oh, viens d'aller. OK. Oh! Oh, OK. Sam, oui. C'est bien? Quand j'étais petite, je rêvais de faire ce métier-là. Hein? Oui. Japonaise. Yes! Oh! Je sais que c'est bizarre, mais c'est parce que quand j'étais petite, mes parents voulaient pas brimer mon imagination, fait qu'ils ont entendu que je suis en maternelle pour me dire que ça se pouvait. Oh! C'est normal que ce soit aussi facile pour eux, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'ils se connaissent. C'est facile parce que c'est bébé. Oh, oh, oh! Amical! Pas game d'aller mimer. Oh, vas-y, Carl, vas-y! Okay, donne-moi ça, donne-moi ça, ça va. Donne-moi ça. OK. Bon. Dans la catégorie expression contenant un nom d'animal. Oh. Une mouche. Oh, une larve. Non. Un crapaud soleil. Oh, qui a un chien. Oui, oui, c'est ça. Qui a un chien qui. Un chien qui fait du yoga. Zach, hein? Un chien qui... Oh! Un chien dans un jeu de quilles! Oui! Yes! Wow! Tiens, c'est ça!